Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce second épisode sur Limbo. Et aujourd'hui nous sommes au même point qu'à la fin du premier épisode, c'est-à-dire sur cette énigme de balancier, de contrepoids et de chariot, ma foi très effrayant, le chariot. Alors on peut le tirer, on peut le pousser. Le fait qu'il y ait une poignée des deux côtés, ça peut vouloir dire que je dois m'en servir pour le mettre à un endroit précis. Et quand j'entends précis, je vois ce petit cran, tu vois, qui peut bloquer la roue potentiellement. Ce qui fait que quand je tombe, la distance est peut-être moins longue. Alors, j'ai eu un éclair de génie, ça se trouve c'est pas ça. On va voir. J'espère que vous allez bien. Pour une fois, j'ai pensé à le dire. Moi ça va, même si je suis en train de me triturer les ménages. Regarde, à partir de là, ça ne change absolument rien, puisque je tombe dans l'eau. Ah, ouais, qui va me ramener à la fête comme dirait l'autre. Celui-ci, pardon, j'étais vraiment chaud pour l'attacher au chariot et ensuite le tirer loin. Ça m'aurait fait un petit temps de tranquillité. Et si je relâche juste et qu'on fait ça, tu vois là, je sais pas en fait ce qu'il faut faire. Je vais pas vous mentir, j'en ai aucune idée. Hein. Donc il faudrait que ce soit à cette hauteur minimum. Le chariot ne peut pas bouger plus loin que ça. Ok, donc on va utiliser le chariot. Je vois bien que c'est ici que la roue se bloque. Est-ce qu'il faudrait pas faire en sorte que, en atterrissant, on le pousse avec nous. J'ai peut-être un truc. J'ai peut-être un truc. On va le laisser là plutôt. Au pire, on est là pour tester. Hein. Ne m'en veuillez pas si je trouve pas la réponse du premier coup. Enfin, la réponse. La solution. Donc là, je monte au maximum. Si je redescends un peu, ça n'enlève pas la corde. Enfin, ça ne la remonte pas. Donc je fais ça pour aller au chariot le plus vite possible. C'est mort. D'accord. À cause de ce rebord, je vais pas m'énerver tout de suite. Même si j'avoue que le fait que quand t'arrives trop doucement sur un rebord, bah il l'attrape. Je suis en mode pff, ouais. Pas trop convaincu de cette mécanique. À moins que ce soit pour m'embêter. Mais le son est vraiment si fort dans mes oreilles. Et je m'en serais pas rendu compte. Ok. Donc là on fait ça. Ensuite on monte là. Et là on attrape la corde. Oh non, 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 non. Mais non gros, pourquoi tu la lâches? Je comprends pas ce système moi. Retour plutôt, c'est mieux avec le micro allumé de le dire. Là normalement c'est la bonne. Si on lâche pas et que là on fait ça, d'accord, j'ai foutu un essai en l'air. Mais je pense que c'est cette technique là au final, ça a presque fonctionné. Ça m'a l'air ok. Bon, faut juste que je sois un petit peu meilleur en exécution. Mais là-dessus, ce n'est pas perdu. Je pense que je vais rapprocher un tout petit peu mon micro. Alors désolé si pour ces épisodes sur ce jeu, le son est vraiment trop fort dans vos oreilles. N'hésitez pas à baisser, hein. C'est pas non plus le scoop de l'année que je vous raconte. Donc si ça vous fait trop mal aux oreilles, franchement, prenez pas le risque, hein. Là on est bon. Oh non, par contre là t'abuses. Genre tu peux pas te baisser gros. Alors attends, faut que je révise à quelle hauteur on peut passer. Ok, là on peut encore. C'est faisable, c'est faisable.
Cette fois-ci, je l'ai, c'est la bonne. Et je le dis sans prétention, c'est juste que je la sens bien. Et en ce moment, quand je sens bien des trucs, et ben en général, ça arrive. C'est faux, c'est faux, c'est faux, j'ai menti. Ok. Le truc, c'est que pour la seconde corde, le timing est tellement dur. Tu vois, genre là, normalement ça passe. Oh non! Non, 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 non. Non, là, le jeu, non. Non, tout met pas ça. Pas à moi, on se connaît depuis longtemps. Voilà, on a déjà eu une première aventure ensemble, le jeu. Et oui, en plus, je suis mort. C'est-à-dire que la charrette est pas là. Si j'ai bien compris. Et oui. Ah putain, non, mais ça, c'est un petit poil. Un petit poil énervant. Je pense que, au fur et à mesure, je vais devoir éloigner mon micro de plus en plus. Malgré les bruits environnants, mais si je me mets à rager, il vaudra mieux que le micro soit loin. D'accord, là, on fait ça. Parce qu'on n'était pas loin, hein, en soi. Faut juste que j'attende un tout petit peu plus sur la corde. La seconde corde. Tu vois, genre là. Et là, on est bon. Et bah voilà. C'était pas si dur. Il nous a fallu plus de 7 minutes pour y arriver. 7 minutes 30 pour être précis. Ça me dirait qu'il vaille ce truc. Hein. On va éviter de le toucher. Surtout que ça pue apparemment d'après les mouches. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Hein? C'est pas moi qui dirige là. Moi je fais juste le saut. Comme ça. Ok. Je sais pas ce que je fais. Ah merde. Ah non, c'est pas bon ça. Mais qu'est-ce que... Je suis obligé de mourir là. Attends, c'est très étrange. Ah oui, oui, j'ai pas le choix en fait. D'accord, en fait quand il est à la lumière... Il n'aime pas ça, ce petit parasite. Il aime bien rester dans l'ombre. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ah mais là on est foutu, j'ai pas mis assez de temps. Vas-y mange. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Ah d'accord! Je crois que je l'ai. Mais par contre, c'est hyper dur à exécuter cette chorégraphie. Parce que là, pour le coup, c'est du par cœur. Peter. Ben. May. Thomas. Je sais pas s'il s'appelle Thomas, le père de Peter Parker. Bref. On s'en fout. Nous, on est là pour jouer à Limbo. Et regardez comment ça va être dur. En fait, il faut faire ça. Et ensuite, on va pousser la caisse. Ce qui fait que là, on va pas se noyer. Ah non, la caisse, elle est cool. Ah, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, ça. Mais alors... Alors il faudrait que j'aille le plus loin possible, je comprends pas trop. Donc ça on a bien compris, il n'aime pas la lumière. Quand on est en bas... Ah peut-être... Peut-être que... En étant plus haut, on pourra se faire manger le parasite.
si vous me permettez l'expression. Regarde ça. Ça va être assez dur à exécuter, j'imagine. Genre... Et voilà, mon pote. Eh, c'est pas compliqué, le jeu vidéo, hein. Quand on pense qu'il y a des mecs qui gagnent des millions grâce à ça. Bon, on va rester un petit peu sérieux. Oula, j'ai peur que ce soit encore une araignée. Dans quoi nous sommes-nous fourrés? Alors. Ça, c'est peut-être pour arrêter la roue. Ou alors, quand elle sera en fonctionnement, ça va déclencher quelque chose. Eh. Tu vas me bouffer, toi? Tu vas me faire du mal? Non, hein. T'es pas comme ça, toi. Il me donne l'impression d'être un petit chien. Enfin, qui a une sale gueule, mais... Un chien moche, c'est un chien. Votre petite sœur moche, c'est votre sœur. Enfin... Y a pas de... Voilà. Le raisonnement qui va nulle part, par contre. Toi, tu vas m'aider à quelque chose. Ah non, oh non, on va pas le tuer. Oh non, pauvre Dédé. Ah non, ça va. Bon, il reste en vie, mais... mais disons qu'il va rester ici quelques temps. Bon, alors nous, on continue, du coup. Vu qu'il y a de l'eau qui passe dans les tuyaux. Hop. Je sais pas s'il faut remplir jusqu'à un certain niveau ou bien on peut se faire submerger. Submerger. Ah d'accord. Faut avoir un timing. Ok, bon, on va le remplir, j'allais dire au maximum. Aussi haut qu'on peut déjà. Ah, c'est pas bon du tout. D'accord, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'ai facile. On va d'abord déplacer le rondin. Si vous me permettez l'expression, c'est un petit rondin pour moi. Je veux dire, regardez la taille de mes bras. Ok. Mais il est pas là. Si, il est là. Si on se le met à ce niveau-là. Voilà, ça devrait être approximato à mi-chemin. Attends, on va... C'est quoi, on va le faire bien. On va se mettre dans ce sens-là directement. Pourvu que ça aille pas trop sur la droite encore. Ah, c'est peut-être un petit peu juste. On va voir ce que ça donne. Et moi, je ne sais toujours pas à quel volume de voix m'exprimer, si je dois parler plus fort, moins fort. Je l'ignore. Ok. Bon, là, quand c'est des passages un peu plus calmes, à mon avis, je peux réduire le volume. C'est vrai que tout à l'heure, quand on était avec les deux poids là, il y avait pas mal de parasites autour. Quelque chose là-dedans. Hein. Ah oui. Oh, c'est pas propre. Ah, c'est. Oh, dégueulasse. C'est marrant à quel point ils ont réussi à bien retranscrire la dégueulasserie. Malgré qu'on n'y voit pas grand-chose. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre là-dessus. On a pied? Ah oui, y a pas de souci. Alors, par contre, si vous me permettez, on va plutôt se mettre derrière la caisse. On sait jamais. Est-ce que c'est encore un piège, ça? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça c'est bien.
Non, je vais pas te le one-shot quand même ton challenge là. Ça m'a l'air un petit peu trop simple pour être vrai. J'ai des doutes. Honnêtement, j'ai un doute. Donc on a bien compris qu'il faut monter à l'échelle de là-bas. Là, c'est au max. Donc on va devoir monter très très vite. Genre là. Ok. D'accord, je me suis dit ça va peut-être s'accrocher tout seul. Ça va monter plus haut peut-être. Ah! Ah, j'avais pas prévu ça. Ah non, d'accord, faut rester dessus. Oh la vache, c'est pas facile, hein. Moi qui m'attendais vraiment à ce que cette caisse m'accompagne un peu partout. Faut lâcher là. Désolé de te le dire, mais il faut lâcher. Bon. Ça c'est fait. On est toujours en speedrun ici. Il y a l'eau qui monte. Alors comment on va la diriger là-bas? Je pense qu'il faut diriger cette petite boule pour qu'elle monte ici. Là je le sens pas. Ouais, là on est foutu. Voilà. Dernier essai. Et puis après je vais voir comment on peut faire. Je pense avoir la bonne façon de le faire. Donc c'est pas. En soi c'est pas tricher pour trouver la solution. C'est juste savoir si je peux le faire à ma manière. Ou si genre au dernier moment il y a vraiment un truc qui m'échappe. Tu vois, genre là, en fait, quand ça cogne. Putain, j'ai même réussi à le bloquer en dessous. Je suis trop fort. Ah. En fait, c'est. J'avais presque le bon truc. Mais disons qu'il y a beaucoup moins une question de timing que ça. C'est plus faisable que ce que j'imaginais, hein. Bon, j'espère que j'ai bien allumé mon micro là. Alors, apparemment, faut bien le choper quand il est comme ça, tu vois. Et là, en fait, il faut juste pousser comme ça. Donc, c'est pas du tout ce qu'on imaginait. Parce que je dis on, parce que vous êtes avec moi, hein, mais parce que tu es avec moi quand tu regardes. Et voilà. En fait, le jeu n'est pas si compliqué. C'est juste moi qui me suis dit, alors, il faut que. Tu vois, il faut faire en mode flipper. Il faut qu'au bout d'un moment, il faut taper le truc, tu vois. Et en fait, pas du tout. Et là, tout devient beaucoup plus simple. Et on peut même se barrer. Alors, je vérifie que mon micro. Oui, c'est bon. Ok, on est à 26 minutes de mon côté. Je vois une manivelle, j'ai peur de l'activer. D'accord. Ça va faire monter le niveau. Bien compris là-dessus. Pas compris là-dessus. Attends, peut-être que je l'ai. Peut-être en one shot, ici, devant tes yeux ébahis. Tiens, et je me suis dit, si un jour je tutoyais vraiment mon. La personne qui me regarde. Je me suis dit, ça créerait peut-être une proximité, et j'avoue que j'ai jamais pensé à ça auparavant. Parce que je me suis dit, par respect, je vous vois les gens. Et je sais pas quoi dire parce que c'est hyper gênant ce qui se passe actuellement. J'ai peur d'aller en bas.
Non, là, je suis mort. Ok. C'était peut-être un petit peu trop beau. Alors, ça, on le tient. Ah, d'accord. Ah, il fallait pas laisser tomber jusqu'en bas. Enfin, je pensais pas l'avoir fait, mais bon. Si le jeu le dit. Et là, ça va être suffisamment haut. C'est ça. Ça m'a l'air bon. Oui! Champion du monde! Nous sommes à 28 minutes. J'ai mis que 4 minutes à comprendre ce truc. C'est pas très grave. Et de ce que j'ai vu sur la vidéo du gars qui montrait comment on fait, je suis vraiment au début. Mais alors vraiment, vraiment au début. Hein? Bah quoi? Comment on fait? Parce que là, je suis mort. Attends, la caisse, on peut la faire tomber? Non. Ok. Ça part de là. Eh, mais du coup, on est bloqué. Ah, d'accord. Et là, on repart. On jump? Jump, jump, jump. Jump, jump, jump. Ah, et là on est baisé. Bon, bah on le tente. Ah, d'accord. Oh, c'est bougrement intelligent. Bon, par contre, il faut attendre que l'eau monte. Et que la plateforme arrive à l'endroit... juste à la droite, là, des pics. Est-ce que c'est l'eau, là? Je vois pas où est le niveau de l'eau. D'accord. En fait, apparemment, j'étais... Est-ce qu'il faut pas plutôt aller sur la gauche? Je vois un truc qu'on peut accrocher. J'ai des doutes. Peut-être qu'on va devoir faire un petit demi-tour au bout d'un moment. Ah ouais, d'accord, 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 d'accord. On va attendre que il passe le niveau de la première, la dernière pique. La première ou la dernière. Non, non, non. Mais non, le jeu. Putain, tu peux pas me faire ça. Vous avez vu comment je me suis fait voler? Genre, il a rebondi sur la plateforme. Il y a un gros problème. Ah non, ok, il faut le faire partir. Oh, ok. Il faut le faire partir sur la gauche pour ensuite revenir. Oh, Konomata Koli. C'est pour ça que je me disais, ça paraît long d'attendre. Et non, en fait, il fallait faire quelque chose d'autre en attendant. Enfin, ah oui, vous avez compris. D'accord. Et là, on sera dans le bon sens. Ah, mais en fait... Ouais, c'est pas si con, hein. Fallait y penser. Bon, par contre, je sais pas comment je vais réussir à me faire choper le... Enfin, le truc que j'ai sur la tête une fois en haut. C'est marrant parce que la caméra, pour le coup, a changé. Ah non, non. Non, trop tôt. D'accord. En fait, j'ai pas envie d'attendre à chaque fois que le truc mette 15 jours à monter. Ce truc-là, sur lequel nous venons de passer. Passer une agréable journée. Peut-être que je vais trop vite aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des passages où je suis en mode trop rapide. Mais en même temps, vas-y, c'est long à attendre. C'est très très long. Et encore, vous avez soit des coupures, soit c'est accéléré. Donc, vous n'avez pas à vous plaindre en soi. Mais tu n'as pas à te plaindre. Même si je sais que
tu comprends et que tu ne te plains pas. Alors, cette fois-ci, c'est la bonne. On va attendre tranquillement que le dernier pic soit hors de portée. C'est-à-dire, bientôt, c'est bien. Voilà! Voilà! Le niveau de l'eau monte quand même. Il s'agirait de s'en aller. Parce que moi je pensais qu'on pouvait encore se balader. Nous avons gagné la surface. Alors, est-ce qu'on a un truc caché ici? Non. Flemme de faire des décors, les mecs. On vous a fait déjà un jeu avec des ombres et tout. On va pas s'amuser à cacher des trucs. Bon, on va prendre un tout petit peu d'élan. Est-ce que j'ai bien rallumé mon micro? Oui, c'est bon. En fait, c'est devenu tellement ma hantise d'oublier mon micro que je vérifie et si je pourrais le faire de manière muette. Mais au moins, vous savez pourquoi d'un coup je ne parle plus. Ok, on est dans une ville peut-être. Ça m'inspire une ville. Ça m'a tellement inspiré la ville que ça m'a fait peur. D'accord, en fait je pensais que... Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est pas ça qui... Ok. Genre là, je suis bloqué. C'est ce que t'es en train de me dire? Faut peut-être y aller plus vite, hein. Je sais pas trop. Non, on va pas se quitter sur un échec, hein. Croyez-moi qu'on va pas se quitter sur un échec. Voilà, c'était pas compliqué en fait. Ben justement, on va s'arrêter ici maintenant qu'on a réussi. J'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. On se retrouve très très vite pour le troisième et pour la suite du jeu. Si cet épisode vous a plu, mettez un pouce en l'air puisqu'ils ne sont plus bleus, il me semble, sur YouTube, ça a changé. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je pense que bientôt, je vous mettrai une sorte de vidéo entre guillemets de découverte sur Genshin Impact. J'en avais fait une première qui était moyenne parce qu'on m'entend pas du tout et le jeu est à fond. Donc faudrait que je la retourne et je pense que je vous ferai ça dans très peu de temps. Donc voilà. À très très vite. Au revoir.